Alors, il y a un truc dans ma poche là. Et je vais te demander de le prendre. C'est dans ma poche. Et tu le montres à la caméra. Voilà. Alors, c'est pas pour rien qu'on réalise ce thème. T'en penses quoi? Moins de sensations. Déjà utilisé ou pas? Non, je suis vierge. T'es vierge, hein? Ouais. On touche pas là-bas. On touche pas là-bas. Il faut attendre le mariage. Non. Yo! Yo! Comment tu t'appelles? Lalan, moi c'est Dégué, enchanté. Enchanté. Ah ouais, c'est original, hein? Grave. Super. Alors, dis-moi, Lalan. Oui. J'ai un truc dans ma poche. Ok? Tu le prends, c'est à toi. Thank you! C'est pas fini! C'est pas fini! On regarde la caméra, montre à la caméra, c'est quoi? Alors dis-moi, est-ce que tu les utilises? Bien sûr! T'aimes bien? J'aime grave! À conseiller? À conseiller! Ou à déconseiller? À conseiller! 100%! 100%! Peut-être qu'il y a certains qui aiment quand il y a plus de chair! Mm-hmm. Donc voilà! D'accord. Mais sinon, c'est très bon! C'est très avec bon. Ou sans, c'est good! Des préférences avec toi, avec ou sans? Les deux. Alors, j'ai un truc dans ma poche là. Ouais. Vous allez le prendre. Pourquoi? Je vous dirai après. Non. Non, c'est une surprise. Je n'aime pas les surprises. C'est très important aussi les surprises. Je n'aime pas trop. Je m'attends vraiment à votre réaction, s'il vous plaît. Je ne vous connais pas, je ne vais pas fouiller dans votre poche. Bon, ok. Je peux vous les passer. Et vous allez le montrer à la caméra. On y va. T'es prête? Ouais. Caméra. Et je vais montrer à la caméra. Voilà. T'en penses quoi? C'est important de se protéger. Voilà, il n'y a pas que le sida. Il n'y a pas que le sida. Il y a d'autres MST. Maladies. Voilà. Les grossesses indésirables également. Voilà. Oui, entre autres. D'accord. Alors, vous l'avez déjà utilisé dans votre vie ou pas? Bien sûr, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Avec ou sans? Ben, étant donné que ça fait des années que je fais sans, donc je préfère sans. Voilà. Il y a un truc dans ma poche, vu que toi tu es à ma gauche, tu vas le prendre. Et toi, je te le donne. On y va? Tu le prends, c'est dans ma poche et toi je te donne, tiens. Ah non, je peux pas. Non, t'inquiète. C'est pas un truc de ouf. Viens, t'inquiète, tiens. Prends, c'est là. Montre à la caméra. Montre à la caméra, c'est quoi? C'est un préservatif. Voilà, alors, on veut savoir. Est-ce que vous l'utilisez? Au premier rendez-vous, oui. Au premier rendez-vous, elle précise. Au début, oui, après. Et après, voilà. Voilà quoi. Donc, elle a dit au premier rendez-vous. Au deuxième, tu t'en fous quoi? Ah non, mais si c'est la même personne au deuxième, on continue jusqu'à ce que ça devienne régulier. Voilà. Et du coup, avec ou sans? Avec. Et toi, avec ou sans? Ça dépend de la manque. Ça dépend de la manque. Pour l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Voilà. Tu t'appelles? Noémie. Et non, vous? Non, si tu veux. Non. Ouais. D'accord, j'aime bien. Et toi? Moi, c'est Coco Sucré. Coco Sucré. Ouais. C'est-à-dire... Ne me pose pas la question pour savoir comment ça peut s'y créer, machin, tout ça. Passe à la deuxième question. Mais... T'éternises pas, là. C'est quoi ta deuxième question? Mais attends, déjà, t'es violente, là, soit. Passe à la deuxième question. Alors, c'est parti. J'ai un truc dans ma poche, là. Attends, j'ai un truc dans ma poche, là. Tu vas le prendre. Quoi, vas-y, 1, 2, 3. Tiens. Je veux voir. C'est elle qui prend attention, okay, c'est elle qui doit me donner. Vas-y. Important. On va faire de la pub, c'est très important ça. Bon, après, très important. Très important. C'est quoi ta question après? Non, t'as déjà commencé, j'ai même pas posé la question. C'est quoi, c'est une invitation? J'espère pas, parce que franchement, pour avoir une invitation, il faut déjà être intéressé. Ah ouais. Mais, quoi qu'il en soit, c'est elle, très important. Bon, elle est pas intéressée. On va parler avec toi alors. Vas-y, parle avec toi. Alors, avec ou sans? Aïe. Honnêtement, ouais. Sans c'est gênant. Ah ouais? Non, avec c'est gênant. Avec c'est gênant. Ouais. Mais sans. Comment? Pourtant c'est fait pour se protéger. Ouais, mais après, moins de sensations. Ah, J'aime pas. Un petit conseil aux gens qui te regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire? Faut se protéger. Dans la vie, faut se protéger. Sauf si t'as un copain de longue date, t'as déjà fait des trucs, des dépistages et tout. Là, tu peux y aller sans. Mais si c'est un coup d'un soir ou un truc comme ça, avec. Avec. Il faut se protéger éventuellement. Merci beaucoup. On va en même temps, 1, 2, 3. Et vous montrez à la caméra si c'est quoi, s'il vous plaît. Montrez à la caméra, s'il vous plaît. À la caméra, voilà. Alors, toujours se couvrir à chaque utilisation.
de la chose. Se protéger tout simplement. Tout simplement. Et voilà. D'accord. Et si vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas ça, comment vous allez le prendre? Ben, à ce moment-là, il faut que ça soit sur une certaine durée. On ne peut pas ne pas utiliser justement cet ustensile. Voilà. D'accord. Et vous, personnellement, avec ou sans? Jamais sans chapeau. Ah ouais, toujours. Toujours avec, toujours un, avec chapeau. Un chapeau. Toujours avec un chapeau. Avec un chapeau, toujours. D'accord. Suivant Princesse Fab alors. Ah ouais, toujours. Pareil. Vas-y. Moi je dois faire quoi? Ouais, tu le prends. C'est tout. Ah, bon. Tiens. Mais moi j'ai peur. Non, tiens, mais t'inquiète. Elle a encore rien donné. Tiens. Non, non, non. Non, attendez, 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 attendez. Vous avez vu, non? Vous voulez pas toucher, c'est ça? Ben, t'as déjà touché à ça ou pas? Pour faire quoi? Ah, arrête de mentir. Hein. Non? Non, dis qu'elle arrête de mentir. Elle ment pas? Elle dit qu'elle connaît pas. Hein. Mais si, y en a qu'un seul, j'ai pas besoin de ça. Hein. Comme si c'était un bonbon. Franchement, j'ai pas besoin. Ah, comme si c'était un bonbon. Bah, je... Non, merci. Attends, tu l'as déjà utilisé ou pas, honnêtement? Je ne répondrai pas à cette question. Non, mais moi, je déjà utilisé ou pas? Non, non, je suis vierge. T'es vierge, hein? Ouais. On touche pas là-bas. On touche pas là-bas. Il faut attendre le mariage. Le mariage. Le mariage. Pas vu, je suis fiancée? Bientôt, bientôt, peut-être. Comme si c'était vrai, quoi. Je te crois, t'inquiète, je te crois. J'ai un truc dans ma poche. Tu peux le prendre, s'il te plaît? C'est une surprise. C'est dans ma poche, là, tu le prends. Allez, on y va. Et tu montres à la caméra. T'as vu quoi? Elle veut pas les sortir, là. C'est quoi? Moi, je vais le sortir à ta place. C'est ça. Alors, avec ou sans? Il faut toujours sortir protégé, hein. Toujours se protéger. Toujours se protéger. T'es sûr, toi? Bah bien sûr. Là c'est peut-être parce que t'es devant la caméra. Non. Hein? Sérieux. Mais toujours sûr. Se protéger. Mais oui. Et si tu es en couple avec quelqu'un et la personne n'aime pas le préservatif? Ben je sais pas, faut faire des tests. Enfin, si t'es en couple avec la personne, il y a tout ce qui suit avec. Enfin, genre tu as pas couché avec une personne. Super. C'est dans ma poche. Je dois le retirer. Ouais, c'est dans ma poche. Et tu le montres à la caméra. Non, non, t'inquiète, montre à la caméra, c'est quoi? C'est quoi? Une capote. Voilà. Alors, c'est pas pour rien, on réalise ce thème. Est-ce que tu l'utilises déjà? T'en penses quoi? On va arrêter là. On va arrêter là. Salut. Les Antilles aujourd'hui, hein? Bah ouais. Un petit coucou à la caméra. Alors, dites-moi les filles, en bas là, vous êtes rasées ou épilées? À ton avis? Je vois, c'est, il y a une petite pelouse, hein, bien rasée. Franchement, tu mens. Attends, c'est rasé ou pas? Oui, bien sûr. C'est rasé, hein? Oui. La dernière fois, tu l'as fait, c'était quand? Le 1er septembre. Le 1er septembre, ça cire. Fait, on peut dire, à la cire en plus. Ah, ah ouais, pas de rasage, hein? Non, ça, c'est à la poubelle. D'accord. Voilà. D'habitude, tu le fais après combien de temps? Comment ça? Pour te raser, tu le fais après combien de temps? 3 semaines, 4 semaines, 1 mois? Ben ça dépend. Ça dépend. Ben oui. Ça dépend si t'as des dates, t'as plusieurs rendez-vous dans la semaine ou... Non, pourquoi plusieurs? Il y en a un seul. Un seul, hein? Il y en a un seul. D'accord. Et toi, c'est rasé ou pas? Moi, je ne répondrai pas à cette question. Écoutez-moi les gars, vous avez les ex, non? Ouais. Une heure dans une chambre, hein? Ouais. Vous là, ouais. Et vos ex, ouais. Vous allez vous laisser aller ou pas? Ben oui. Oh, ben oui. Ben sûr que oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben non. Ben oui. C'est next. C'est logique. Ben oui, c'est next. Oh. C'est next. C'est quoi? C'est quoi? Alors, ex, ça veut dire quoi? On a déjà touché le matos, donc. Oh, le matos. C'est quoi le problème? Ex, pas ex, maman, pas maman, Tiffy, pas Tiffy. Oh, bah, les couilles. Moi, touché à toute Tiffy. Moi, touché à toute. À même vite, un point. Bon. Et si vous êtes déjà en couple, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec votre ex? Bon, honnêtement. Personnellement, je suis un gars fidèle. Ça dépend l'ex. Et vous faites du rentre-dedans. Ça dépend l'ex. Peu importe l'ex, mais elle vous fait quand même du rentre-dedans. Je fais. Si elle vient, je fais. Et puis, quel est le problème? Toi aussi. Ouais, personnellement, ça dépend. Dans le sens ça où, de... si par exemple, la copine, elle m'intéresse visuellement, physiquement, etc. Et que tu vois, voilà quoi, j'ai bien kiffé son bail, bah ouais, je le fais. Mais vas-y, si la copine est en mode ma copine, personnellement, elle me donne pas assez de satisfaction, ou si c'est pareil, je le fais. D'accord. Je vois. Mais voilà, je reste quand même fidèle, tu vois. Il reste quand même fidèle. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci, on est ensemble. Yes, merci. Oh. 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 Oh.
gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their ass on new chain. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name.